Bonjour tout le monde, Happy Monday! On est le lundi 6 décembre, il est 13h, j'ai fait une petite sieste. Petit update lecture les gars, hier j'ai fini ce livre, Julia and the Shark, c'était très bien. J'ai acheté ce livre parce que j'aimais bien la couverture, parce que je ne savais rien de l'histoire. Je suis très contente parce que j'ai beaucoup aimé l'écriture, j'ai beaucoup aimé l'histoire. C'était tout en subtilité et c'était très beau. Vraiment, je vais faire une critique un peu plus développée, mais j'ai mis 4,5 étoiles, je crois, sur 5. Et je pense, hier j'étais trop fatiguée pour commencer un autre livre, mais je pense que je vais commencer Flashfire de T.J. Clune, qui est la suite de The Extraordinaries, qui était un coup de cœur, que j'avais mis 5 étoiles, enfin 10 étoiles, 20 étoiles, on s'en fout, enfin c'était trop trop bien, donc il faut absolument que je lise la suite maintenant, avant de tout oublier ce qui s'est passé dans le 1. Et voilà, j'attends beaucoup de cette histoire, vraiment beaucoup, 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 du coup j'ai un peu peur d'être déçue. Et j'ai retardé ma lecture aussi parce que apparemment c'est une trilogie. Je me suis défoncé la gueule avec le livre. Apparemment c'est une trilogie et le 2 vient de sortir et donc je vais devoir attendre 1000 ans le 3. J'ai pas envie. Donc j'ai un peu retardé ma lecture du 2, mais je pense que je vais m'y mettre là en décembre. Programme de la journée, filmer une vidéo, monter une vidéo, écrire, lire, me reposer possiblement. Voilà. Et ne pas refaire de sieste, parce que là, je suis décalquée, les gars. À tout à l'heure.
bonsoir, petit update, il est 21h30, j'ai fini d'écrire, de réécrire un chapitre, j'ai mon petit whisky, non je déconne, c'est de l'ice tea, oh calmez-vous, ça va hein, c'est de la bonne. Oh putain, j'ai oublié de vous dire, j'ai fait des recherches pour Nikita Gill ou Gill, que je sais pas comment ça se prononce, et en fait... C'est Nikita Gill. C'est fou la vie. Il m'a suffi de le googler en fait. Donc voilà, bref, ça c'était une information capitale. J'ai fini de réécrire un chapitre. J'ai monté et filmé, pas dans cet ordre là, j'ai filmé et monté une vidéo. Et maintenant, je suis extrêmement fatiguée. Je vais essayer de lire et je vais me mater un petit film de Noël avec mon whisky. Qui est en fait de l'ice tea. Bonsoir à tous, je vous fais un petit update rapidos parce que je vais bientôt aller me coucher. Il doit être aux alentours de 20h. Aujourd'hui j'ai corrigé et modifié deux chapitres de mon roman. Donc je suis plutôt contente parce que j'avais pas vraiment la motive à la base. J'ai un peu lu, je suis en train de lire Flashfire, j'ai lu genre 50 pages. Et je suis le décès, frère. C'est tellement drôle. Toutes les 5 secondes, je suis obligée de fermer le livre et de faire ça. Je crois que c'est le truc le plus embarrassant que j'ai lu de ma vie. Mais dans le bon... Enfin, dans le sens drôle, c'est-à-dire qu'il arrive des situations tellement embarrassantes aux personnages qu'on a chaud pour eux, quoi. TJ Klune, il écrit tellement bien, mais tellement bien. Je pense que je vais finir Flashfire et je me demande si après je vais pas lire Under the Whispering Door, qui est une de ses dernières sorties, qui doit être tout là-haut si je me trompe pas, dans les bleus. Voilà, programme de la soirée, finir ma valise parce que demain c'est Paris les gars et je vous emmène avec moi, on va faire un petit tour des librairies anglaises parisiennes. Je suis tout excitée. Donc je sais que je vais pas dormir, donc c'est pour ça que je vais prendre mes somnifères maintenant, histoire de cumuler 2 ou 3 heures de sommeil avant de partir à Paris. J'ai une méga surprise pour ma meilleure amie Noémie. On va aller dans un endroit, j'y vois plus rien, on va aller dans un endroit un peu spécial où dormir. Elle va me tuer quand elle va voir ça. Elle va me tuer. Peut-être que vous aurez jamais ce vlog parce que je serai le décès. On ne sait pas. Mais je vous ferai un vlog aussi là-dessus parce que c'est rigolo. Je suis impatiente. C'est super chiant de tenir sa caméra comme ça. J'aurais dû mettre un trépied mais j'avais la flemme. C'est tout. Je prépare les cadeaux de Noël pour demain. Et je vais lire un peu et... possiblement regarder un film pour m'endormir. Donc genre un film vraiment très nul dont j'ai pas envie de savoir la fin pour que je m'endorme dessus en fait. Voilà, ça va être le principe. Et je vous fais des bisous et on se voit demain pour ma journée de ouf. Ça va être dingue. Les gars, pour l'instant, c'est ridicule. Dans ma valise, il y a juste des cadeaux. J'ai une culotte et des cadeaux. C'est la valise du Père Noël, frère. Je suis ready là. Je suis ready pour Paris. J'arrive. Bonjour tout le monde. On est mercredi 8 décembre. Il est presque 10h30. Je suis à la gare et j'attends mon train pour Paris. J'ai pas dormi de la nuit parce que je suis stressée de ouf. Même pour les choses bien, je suis stressée. Donc l'anxiété en général, c'est pas quelque chose que je recommande. Mais j'ai tous mes petits cadeaux et j'espère que je vais passer une bonne journée. Ça. Ouh, que c'est joli! Mais c'est trop cool! Mais la belle, elle est incroyable! Je vais faire un zoom sur le dinosaure. Fondateur de la doctrine de l'évolution. C'est pas Darwin? Non.
Bonsoir tout le monde, il est 20h, ma journée à Paris se termine, déjà, c'est passé super vite. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai retrouvé ma meilleure amie Noémie, cœur-cœur, on voit pas mon cœur, cœur-cœur. Ensuite on s'est fait un petit, on a bouffé quelque chose, et ensuite on est allé à l'hôtel pour déposer nos affaires. Alors je devais lui faire une super surprise, j'avais pris un hôtel de ouf pour qu'on se fasse chouchouter un peu. Et on est arrivé et en fait c'est un... Non, c'est pas un taudis, mais c'est juste un hôtel banal quoi. C'est pas... En plus ils mettaient sur leur site qu'il y avait des certains services qui en fait n'y sont pas. Donc je suis un peu super dégoûtée. Après cette déception, on a foncé parce que j'avais rendez-vous avec Bertrand Santini. Ça s'est super bien passé, c'était une trop belle rencontre. Il m'a dédicacé mon exemplaire de Jonas. Je suis trop contente. Maintenant, j'ai un Jonas unique au monde. Avec un petit requin qui veut manger un petit cupcake. Voilà, non mais je suis trop contente. Il est... Enfin voilà, c'était une super rencontre. On a discuté de plein de choses, il est adorable, il est aussi adorable que ses livres sont beaux, enfin voilà, j'en pouvais plus, j'étais en mode fangirl à fond. Et ensuite, on a fait les librairies anglaises, on en a fait que deux, la première était hyper décevante parce que la moitié de la librairie en fait était française, donc j'ai pas tout compris. Ils avaient le plus petit rayon jeunesse que j'ai vu au monde. C'était tout petit, c'était ridicule. Mais je me suis quand même trouvée... Enfin, c'est Noémie qui me l'a trouvée. The Snow Queen de Andersen. Mais en pop-up. Et il est vraiment très très beau. Genre... Il est vraiment magnifique. Et moi, j'adore les livres pop-up. Donc ça, je suis contente. Et après, on est allé à W.H. Smith. Où je me suis trouvée ces petites choses très pratiques. Pour ceux qui ont des grandes bibliothèques comme moi et des livres qui tombent toutes les 5 secondes, c'est des serre-livres pliables. Ça se met comme ça en fait. Et après ça se range comme ça quand on n'en a pas besoin. Mais quand on en a besoin, voilà, on met les livres comme ça et ça les tient. Et c'est super pratique. Mais quelle invention merveilleuse! Je ne comprends pas pourquoi j'ai pas découvert ça plus tôt. Donc je me suis pris ça. Et bien sûr, je me suis pris plein de livres. Parce qu'il m'arrive rarement de pouvoir faire du shopping dans des librairies anglaises. Je me suis pris Arusha and the End of Time. Je sais pas pourquoi d'un coup j'ai douté. Je me suis dit c'est pas ça le titre. Son nom c'est Roshani Shoksky. Oh, je ne sais pas prononcer les choses. Je suis vraiment désolée. Shoksky. Ça s'écrit comme ça. Voilà, cette madame-là, c'est de la mythologie hindoue, si je me trompe pas. Ça a été présenté dans la collection des Rick Riordan. Oui, je le prononce à la française, Rick Riordan, rien à foutre. Présente, en fait, c'est des livres qui se passent dans toutes les mythologies et toutes les cultures possibles. Je m'en suis pris un autre comme ça, c'est Tristan Strong. La couverture est particulièrement moche, hein, on est tous d'accord. Mais ça m'avait l'air intéressant comme sujet. C'est un garçon qui a perdu son meilleur ami dans un accident de bus et se sent hyper coupable parce qu'il n'a pas réussi à le sauver. Et j'aime bien cette thématique de
deuil d'une amitié. Je trouve que c'est pas beaucoup abordé forcément en littérature jeunesse. Et après, il y a une histoire de, voilà, de mythologie afro-américaine. Donc je suis très pressée de le découvrir, celui-ci. Totalement par hasard, j'ai trouvé Bewitch. J'ai pas tout compris de quoi ça parlait, mais en gros, il y a des sorcières. Des sorcières, et ça, c'est un peu... c'est un genre de... Il y a des gangs de sorcières dans une école tout à fait normale. Enfin voilà, il y a des sorcières dans une école normale, on va dire. Et parmi les sorcières, elles font partie de certains gangs. Et donc il y a des sorcières qui utilisent leur pouvoir pour le mal et d'autres pour le bien. En gros, de ce que j'ai compris, c'était ça. Je pense qu'il y a des représentations LGBT. Donc je suis très contente. Je suis tombée dessus par hasard, il m'a bien plu, j'ai bien aimé la couverture. Ensuite, je me suis pris All of Us Villains, de qui c'est ? Amanda Food et Christine Lynn Herman. Celui-ci, je l'ai vu passer pas mal sur Booksta, Booktube et tout. On me l'a décrit comme le Hunger Games des dieux, mais version encore plus sanglante que les Hunger Games. La couverture est juste magnifique, j'adore, je trouve ça mais hyper efficace, hyper simple, hyper efficace. Voilà, il me faisait bien envie quand je l'ai vu, quand je l'ai vu passer. Et voilà, je l'ai vu là. Donc un autre que j'avais pas mal vu passer sur BookTube, c'est comment ça se prononce, A Spindle Splintered, qui, de Alex E. Harrow, pardon. Hop. Pareil, couverture très simple mais très efficace. C'est un tout petit roman qui m'a coûté très cher. Mais c'est une réécriture de Sleeping Beauty, c'est comment en français, La Belle au Bois Dormant. Et apparemment c'est vraiment très très bien. J'ai entendu que des retours positifs. J'ai très envie de le découvrir et d'après ce que j'ai compris, l'auteur va faire plusieurs réécriture de contes dans le même style, en petits romans, donc on appelle ça des novellas en anglais. Donc voilà, c'était un petit achat impulsif, je l'ai vu, je l'ai pris, je me suis pas posé de questions. Le dernier livre que je me suis pris, c'est un de Benji Davis, qui est un illustrateur que j'aime beaucoup. Donc là, c'est The Storm Whale. Je viens de le lire parce que bon, il y a 3 mots par page, voilà. Mais c'était mignon, mais c'est surtout les illustrations que j'aime en fait. C'est surtout l'atmosphère qui se dégage de l'album qui me plaît. Mais l'histoire et le texte en soi, sans plus. Voilà, mais bon, au moins j'aurais testé. Et les derniers trucs que je me suis acheté, c'est ces carnets que j'avais trouvé aux États-Unis. Il était une fois quand j'étais jeune. Et normalement, ils sont noirs et blancs, un peu genre marbrés, le typique, voilà. Et ils sont hyper bien. C'est les meilleurs carnets du monde. Et j'en trouve pas en France. Il y en a nulle part. Ils sont tout simples, mais ils sont vraiment trop pratiques. Avec un papier fin, mais pas trop fin. Enfin voilà, je les adore. Et donc, ils en avaient plein. Je savais même pas quoi choisir. Donc, j'ai pris celui-ci. C'est les animaux marins. Celui-là. Et celui-là. Et ils sont trop beaux. Je suis vraiment trop contente. Zéro regret de mes achats. Voilà, maintenant le programme de la soirée, je vais prendre une douche, me reposer, me commander à bouffer et attendre que ma meilleure amie sorte de son spectacle. En fait, je suis à Paris parce que ma meilleure amie, on lui a offert une place pour le Roi Lion, la version avec les marionnettes, je sais pas comment on appelle ça. Bref, on lui a offert ça et le deal c'était que je passe une journée à Paris avec elle au passage. Et qu'on se retrouve à l'hôtel après son spectacle. Moi, je devais aller au cinéma, mais je vous avoue que je suis hyper fatiguée, donc j'ai pas très envie d'aller au cinéma. Et puis, donc là, elle y est, ça a commencé, je pense, et elle est comme une dingue.
Et moi, je vais me reposer en attendant. Et après, on va peut-être se mater un petit film ou discuter au choix. Et moi, je vous retrouve demain. Bisous! Bonsoir tout le monde, on est le jeudi 9 décembre, il est 19h45 et je vais faire une micro-update super rapide avant d'aller me coucher comme une merde. Moi je suis rentrée de Paris, j'ai fait une sieste entre 16h30 et 19h. Et là je suis partie pour dormir là, là on est bien. On a super mal dormi dans cet hôtel de merde là, c'était affreux. Je suis vraiment dégoûtée et en plus on s'est levé tôt parce que Noémie devait travailler, donc c'était un peu hardcore. Et moi j'en ai profité parce que pas très loin de l'hôtel, il y avait une librairie indépendante, donc on était vers la Sorbonne. Et il y avait une librairie indépendante anglaise qui n'est pas Shakespeare et compagnie, parce que je n'aime pas trop cette librairie-là. Ça s'appelle The Red Wheelbarrow. J'en avais jamais entendu parler et c'était vraiment bien. La librairie était très belle. Les libraires étaient super sympas. Et du coup, je me suis acheté quelques livres. Je me suis acheté The Hired Girl de Laura Amy Schlitz. Ça se passe en 1911. C'est l'histoire de Joan qui écrit un journal intime en Pennsylvanie où elle est servante. Et en fait, voilà, c'est son histoire à elle. Le fait qu'elle ait envie de vivre une belle vie comme les héroïnes de ses romans et que voilà, elle a une vie de servante. Voilà, ça m'a... Je sais pas pourquoi ça m'a tapé dans l'œil alors que c'est pas du tout mon genre de bouquin. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'a attirée dans le livre. Et bon, on verra bien. Voilà. Ensuite, j'ai pris... je sais pas si c'est son dernier, mais c'est un des plus récents. Certain Dark Things, dont la couverture est juste sublime. J'avais même pas vu que c'était l'auteur Sylvia Morena Garcia. J'ai juste vu la couverture, je me suis dit « Ouh !» Et après j'ai vu que c'était Sylvia Morena Garcia et j'ai fait « Ouh !» Et celui-ci, c'est sur des vampires aztèques. C'est un livre néo-noir, voilà, sur des vampires aztèques. Moi, je... En plus, il est pas très long, ça va, je me dis, je vais pouvoir le lire facilement. Il faut savoir que cet auteur, j'ai déjà deux livres à elle.
J'ai Gods of Shade and Shadow et Mexican Gothic. Et j'en ai lu aucun, mais à chaque fois que je lis les résumés de ces livres, je me dis, mais ça a l'air trop bien, frère. Et du coup, j'ai toujours envie de les lire, donc je les achète tous. Et pour l'instant, j'en ai lu aucun. Non, mais celui-là, je vais lire. Il n'est pas trop beau. Non, mais vraiment. Pourquoi est-ce qu'il ne me l'est pas sur une... Voilà. Cette couverture, les couleurs et tout, je suis tombée amoureuse de la couverture, rien à foutre. Ensuite, j'ai eu un petit marque-page de la librairie. Vous ne voyez rien parce que c'est beaucoup trop lumineux. Voilà. J'ai acheté un livre qui s'appelle Witch de Finbar Hawkins. Alors, le résumé ne dit pas grand-chose de qu'est-ce que c'est que l'histoire. Mais en gros, c'est une fille, Evie, qui voit sa mère mourir à cause de chasseurs de sorcières. Et elle veut se venger, mais elle a aussi promis de garder sa sœur en sécurité. Et donc, enfin voilà, il y a une histoire de vengeance et en même temps de... Enfin voilà, de sorcière, je sais pas, j'étais attirée aussi par ce livre. Je crois que je l'avais vu, en librairie quand je bossais en librairie. Et ça m'avait pas trop tapé dans l'œil à la base. Et là, il m'a appelée et je lui ai dit viens. Viens, on est bien, on est 1800 et on est bien. Ensuite, j'ai pris un livre que j'avais... dont j'avais entendu parler sur YouTube vite fait, c'est Big Boned de Joe Watson. C'est sur un personnage, grosse. Donc ça m'intéresse toujours, j'aime toujours lire ce genre de livre. Je l'avais mis dans ma wishlist et puis finalement je me l'étais pas pris parce que l'histoire me tente pas plus que ça. C'est juste, c'est une adolescente qui va... dans un nouveau lycée et après le divorce de ses parents et elle veut prouver qu'elle est une artiste et qu'elle vaut quelque chose malgré le fait qu'elle soit grosse et en fait elle va se retrouver dans un lycée avec des pom-pom girls avec tout ce que contient les lycées clichés américains donc l'histoire en soi me tente pas de fou mais c'est une histoire avec une personnage grosse et j'essaye de lire le maximum de livres que je peux pour justement pouvoir dire ça c'était bien, ça c'était pas bien. Donc celui-là, je sais pas, j'ai pas un bon pressentiment, mais je vais quand même le tenter et je vais voir si ça vaut le coup et s'il est assez bien. Et le dernier que je me suis pris, celui-là je l'ai vu passer en librairie jeunesse française. Ça s'appelle La Maison des Chapeliers, je crois, ou un truc, non, je suis pas sûre. Le titre anglais, c'est The Hat Makers, c'est par Tamsin Merchant. J'aime beaucoup la couverture. C'est très whimsical. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Et c'est l'histoire de Cordelia qui vit dans un monde magique où il y a des gens qui peuvent fabriquer des choses à partir de... des choses magiques à partir d'objets. Et en l'occurrence, son père fabrique des chapeaux magiques. Et son père disparaît en mer. Donc elle veut le retrouver, sauf qu'il y a une histoire de guerre entre les clans de ceux qui fabriquent des objets magiques. Et donc elle veut à la fois sauver son père et en même temps découvrir la vérité de qu'est-ce qui se passe. J'avais envie d'un petit 9-12 ans mignon magique, voilà, c'est écrit gros, j'ai envie d'un truc pas trop prise de tête, et ça m'a l'air, ma foi, pas trop mal, donc on va tester. Donc voilà, tous mes achats, c'est beaucoup trop si vous voulez mon avis, d'autant que j'en ai d'autres qui arrivent. J'avais dit dans un vlog, et je sais plus, c'était celui de la semaine dernière, j'étais censée recevoir les nouvelles éditions de The Lunar Chronicles. Et en fait, mon colis a été bloqué. Donc je l'ai attendu, Je me suis un peu énervée, je l'ai attendu. Et après, ils m'ont dit, non, mais en fait, on vous l'envoie pas. Et on vous rembourse. Et je dis, mais c'est super, sauf que moi, je les voulais, mes éditions. Donc je les ai rachetées. Enfin, j'ai été remboursée et je les ai rachetées.
Donc, peut-être que cette semaine, je vais recevoir mon coffret avec les nouvelles éditions des Lunar Chronicles. Je sais pas pourquoi, je fais une obsession dessus, là. Je ne peux pas m'en empêcher. J'ai aussi acheté... J'attendais de voir si je le trouvais dans les librairies anglaises de Paris. Mais c'est un livre qui me faisait vachement envie. J'essaie de me souvenir du titre. C'est When You Were Everything. Mais je vous le montrerai quand je l'aurai. Je l'ai commandé là. C'est une histoire d'une rupture entre deux meilleurs amis. Et j'adore ce genre d'histoire parce que pour moi, les ruptures entre meilleurs amis ont toujours été limite pire que des ruptures amoureuses. Enfin, dans ma vie en tout cas. Et du coup, je suis vraiment impatiente de me faire déchirer le cœur par ce roman. J'ai très envie de voir ça. Non, mais ça a l'air vraiment intéressant. J'aime beaucoup le sujet. Donc, et j'ai entendu beaucoup de critiques positives. Donc, j'attends de recevoir ça. Donc voilà, ça fait beaucoup de livres en pas beaucoup de temps. Et maintenant, je vais aller me coucher. Je vais même pas lire, je crois. Je vais peut-être regarder une vidéo d'une de mes youtubeuses préférées. Et puis dodo. Et demain, retour au travail. Voilà. Bonne nuit. Bonjour tout le monde. On est vendredi 10 décembre. Il est 14h. J'ai beaucoup dormi. J'étais très fatiguée. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai dû régler des problèmes avec la CAF. Ça m'a pris une demi-heure, bien sûr, comme d'habitude. J'ai reçu... J'arrive. Le plus beau coffret du monde. Cette petite merveille. C'est vraiment... Il est juste trop beau. Je suis trop contente. Donc ça ressemble à ça quand c'est dans le coffret et quand c'est pas dans le coffret, je vais vous montrer un peu le détail parce qu'elles sont vraiment trop belles ces couvertures. Donc il n'y a pas beaucoup de lumière, mais ça ressemble à ça. Et il y a des illustrations à l'intérieur. Elles sont vraiment juste magnifiques. Je meurs. Donc ça c'est Cinder, c'est le premier tome. Ensuite on a Scarlett qui est juste trop beau aussi. Avec l'illustration à l'intérieur. Deuxième tome, troisième tome, c'est Cress, c'est mon préféré. Mais alors là, je suis pas du tout objective, c'est juste le meilleur personnage de la série. Donc voilà, ça c'est Cress. Et quatrième tome et dernier tome de la série, Winter. Et pour le coup, je la trouve vraiment très très belle. C'est vraiment comme ça que je l'imaginais quand j'ai lu les livres. Et ensuite, inclus dans le coffret, il y avait Fairest, qui est l'histoire de la méchante sorcière. Donc Levana. Donc pareil, avec des illustrations magnifiques. Ça fait un peu le Roi Lion, je trouve, mais bon, voilà, hop. Et donc celui-là, je ne l'ai pas lu, Fairest. Et Stars Above, dont j'avais lu deux nouvelles, je crois. C'est un recueil de nouvelles qui se passe dans le même univers. Après les événements de The Lunar Chronicles, mais j'ai pas lu toutes les nouvelles qu'il y avait dedans, donc je suis impatiente de les découvrir. Enfin, elles sont juste, zéro regret sur l'achat de ce coffret, mais alors zéro. Je les adore. Pour ceux qui connaissent pas les versions. De base, quand c'est sorti, elles étaient comme ça. Moi, j'aime bien. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas du tout ces couvertures. Mais moi, je les trouve vraiment très simples. J'adore le symbole de la chaussure. Et en même temps, on voit qu'il y a un côté cyborg, etc. J'aime beaucoup ces éditions. Je les trouve vraiment très jolies. Scarlett, donc on avait la cape rouge. Cress, c'était les cheveux avec le ruban. Et... Winter, c'est la pomme forcément, et je les trouve vraiment super efficaces, mais voilà, je suis tombée amoureuse des éditions collector là. Pour l'histoire, ces éditions là, je les ai eues gratuitement parce que en fait je taffais dans une librairie anglaise à ce moment là, et on va peut-être
pas très bien voir, mais elles sont arrivées déchirées, abîmées. Cress particulièrement est arrivée dans un état un peu déplorable. Donc voilà, il est vraiment tout déchiré là. Donc je suis contente d'avoir quand même des nouvelles éditions neuves. Et je me dis, même si j'ai deux fois tous les livres des Chroniques Lunaires, il y en a la première fois, je ne les ai pas achetés. Donc c'est comme si je les avais achetés qu'une fois en fait. Donc voilà, je suis très contente. Et programme de la journée, je vais aller écrire. Il faut que je passe à la poste pour déposer le cadeau de Morgane Moncomble. Et puis voilà, et puis je pense que je vais me reposer, je vais passer du temps à lire. Tranquillou aujourd'hui, tranquillou. Demain, je fête Noël avec mon frère. Donc je vais avoir des cadeaux. J'adore ça les cadeaux moi. J'adore, surtout quand c'est en forme de livre, mais de manière générale, j'adore les cadeaux. C'est trop bien. Donc voilà, je vais probablement lire Flashfire de TJ Clune et écrire un peu. Il faut que je vois dans mon agenda qu'est-ce qu'il me reste à faire. J'ai des messages à envoyer, je crois. Je me mets dans mon agenda que j'ai des messages à envoyer, sinon j'oublie d'envoyer les messages. Et 3 mois plus tard, je dis, au fait, tu m'avais envoyé un message. Enfin, je suis, mais un désastre. Voilà, je vous ferai sûrement un petit update ce soir. Et si je le fais pas, et ben bon week-end à vous. Bonsoir tout le monde, il est 23h, c'est bientôt le week-end. J'ai pas fait grand-chose, j'ai pas écrit aujourd'hui, je suis un peu déçue de moi, mais j'étais hyper fatiguée, donc bon, je me suis reposée, c'est l'essentiel. Qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Update lecture, j'ai lu The Snow Queen, donc le livre pop-up que je me suis acheté quand j'étais à Paris. C'était vachement bien. Les pop-ups sont juste magnifiques, mais genre vraiment, je suis complètement fan du style. Je trouve qu'ils sont... C'est très harmonieux en termes de couleurs, de détails. Enfin voilà, il est vraiment trop trop beau. J'essaie de vous montrer un peu les détails, mais c'est pas évident. Mais voilà, c'était le conte. Alors j'ai pas lu le conte de base. Donc je sais pas si c'est bien en termes d'adaptation, parce que c'est forcément adapté pour les plus petits, et il n'y a vraiment pas beaucoup de texte, donc je me doute que c'est une adaptation. Mais c'était plutôt bien. Je pense qu'ils auraient pu développer un peu le truc. Honnêtement, je pense qu'ils auraient pu rajouter au moins 2 pages avec des pop-ups. Ça aurait pas coûté grand-chose et ça aurait vraiment donné un plus au livre. Mais je pense que je vais... peut-être 4 étoiles sur 5. Non, c'était pas mal. Je le recommande. Voilà, j'ai lu 50 pages de Flashfire. J'ai beaucoup aimé le tout début. Ça m'a fait beaucoup rire. J'étais le décès. En fait, c'est pas que j'aime moins, c'est que c'est vachement bien écrit, d'abord. C'est que je sais pas où est-ce qu'on va avec l'histoire. Parce que bien sûr, j'ai pas lu le résumé pour rien me spoiler, mais du coup je sais pas où est-ce qu'on va, et là ça prend une tournure un peu chelou, donc je sais pas où est-ce qu'on va aller. Mais ce que je vais essayer de faire, j'aimerais bien ce week-end me faire un marathon lecture et me tenter de le finir avant dimanche soir. Et voilà. Donc je vais essayer de faire ça. Là je suis en train d'essayer d'importer ma vidéo du jour. Sauf que je m'y suis pris un peu tard et qu'en ce moment je sais pas ce qui se passe. Mais avant YouTube, des vidéos de 7 minutes, ils me mettaient une demi-heure à les importer. Et maintenant c'est 2h30, je sais pas pourquoi. Si vous y connaissez en importation YouTube, je veux bien vos conseils. Parce que je ne sais pas du tout pourquoi est-ce que d'un coup... ça met plus de 3 heures à importer une vidéo qui fait 6 minutes. Mais voilà, je vais essayer de faire ça avant de me coucher et de continuer à lire. Et ce week-end, c'est lecture, lecture, lecture. Et voilà, j'ai pas fait grand-chose de ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous vois la semaine prochaine pour un nouveau vlog et de nouvelles vidéos. Et je vous fais des gros bisous. A plus !